Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au générique, on va se retrouver dans le deuxième épisode de la Sims Academy, et là c'est un moment un petit peu crucial parce qu'on va savoir qui a été éliminé. Donc je vous rappelle que les deux éliminés sont Giorgio et Vanda, juste ici. Et dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de euh, bah, me dire en commentaire la personne que vous voulez sauver. Donc on va de suite regarder qui vous avez sauvé. Ok, donc là je suis sur la page où il y a eu tous les commentaires. D'ailleurs vous avez été nombreux à commenter, j'étais choquée. Il y a eu plus de 2500 commentaires, je crois. Et grâce à cette petite barre de recherche, on va pouvoir comptabiliser le nombre qu'il y a eu euh, bah, pour Vanda et le nombre qu'il y a eu pour Giorgio. A savoir que celui qui a le plus grand nombre de commentaires sera sauvé. Ok, on va commencer je pense par Vanda. Après faites attention parce que là par exemple ce ne sera pas comptabilisé il y a marqué Vanda avec un V. Je vous avais bien dit de ne pas faire de faute d'orthographe parce que mon logiciel malheureusement bah, il ne pouvait pas vous compter. Donc faites bien attention quand vous votez la prochaine fois. Et pour Vanda il y a 500 voix. Ok et maintenant on va voir Giorgio donc il faut battre 500, ça va être assez compliqué je pense. Waouh Attends je suis choquée 694 pour Giorgio Bon oh, bah les gars vous avez décidé de sauver Giorgio donc c'est euh, Vanda malheureusement qui va Être éliminée, on va aller lui annoncer. Ok, c'est Vanda qui est éliminée, les gars. Bon, Giorgio, il est trop content. <laughs> on a Melvin qui dit au revoir à Vanda. Elle doit lui dire, voilà, de continuer, etc. C'est trop mignon. Donc voilà, c'est terminé pour Vanda. Donc elle va quitter le château. Elle se sera quand même bien battue, cette petite Vanda. Mais maintenant, il faut revenir au cours parce que, bah, il y a la prochaine évaluation qui approche. Donc voilà, ça fait directement beaucoup plus vite. C'est trop bizarre qu'il n'y ait plus Vanda. Ah, petit évier cassé, on va le réparer. Donc là, on va les laisser tranquilles ce week-end. C'est un petit peu leur jour. Off pour qu'ils soient tranquilles, loin de nous et loin des caméras. Et on les retrouve le lundi. Ok, nous sommes lundi matin et donc on va annoncer et voir surtout quel sera le thème de l'évaluation du mardi. Bon, je vais tous les faire asseoir ici, je pense. Mais toi, t'es hors sujet avec le temps et l'espace. C'est ici que tu dois t'asseoir. <laughs> Mais il manque Terry. Elle est où, Terry Ah, elle arrive. Ok, maintenant qu'ils sont tous réunis, on va. Ok, Terry, va-t'en pendant que je parle. Y a pas de souci. Bon, elle doit être un petit peu vénère. Ah, oh, bah, Giorgio aussi. Euh, génial. Bref, on va aller tourner la roue pour voir le thème. Ok, c'est parti. On fait tourner. La dernière fois, on a eu euh, Danse. Ce serait bien qu'il y ait chant cette fois-ci, pour voir un petit peu comment ils se sont améliorés ou non. Ok, ok, on a eu du chant donc c'est super cool. On va pouvoir voir si euh, ils chantent bien ou pas. Donc l'évaluation ce sera sur le chant, les cocos. On va un petit peu regarder leurs compétences à ce niveau-là. Oh non mais Melvin il a que un. C'est quoi cette blague Xav aussi. Pamela aussi. Cory il a deux. Giorgio, il a quoi Il a pas chant Oh Giorgio, il a pas appris de chant Oh là là, il est vraiment dans la panade. Hein. Non mais les gars, il a même pas de compétences. il va faire comment pour l'évaluation Terry, elle est niveau 3 et presque niveau 1. Euh, là, Giorgio, clairement, au cours de chant de ce matin, il faut que tu te défonces, tu n'as pas... De niveau. Il a même pas appris la compétence, quoi. C'est quand même grave. Bon, écoutez, on est un petit peu à la bourbe, On va faire le cours de chant, d'accord De toute façon, il n'y en a aucun qui a faim. Donc, écoutez, pourquoi pas. On va invoquer la prof. Où est-elle, la prof, Anita Gada Elle est juste ici. Ok. Ok. J'ai mis un temps fou à tous les réunir. Franchement, ils me font péter un watt des fois. Vraiment. Donc, c'est bon. Ils sont tous là. Bon, comme d'habitude, je vais les laisser faire en autonomie. Mais Giorgio, faut vraiment. Oh, trop mignon. Faut vraiment, vraiment qu'il euh, se pousse le cocotier là et qu'il apprenne le chant fissa à quoi. Regardez, Anita Gada, elle chante trop bien. Bon, en même temps, elle est niveau 10. C'est pour ça qu'elle chante bien. Mais on est très loin du compte pour les autres. Hein. Regardez Pamela, s'il vous plaît. Non. Oh là là. Une catastrophe, hein. Mais Giorgio, c'est pas l'heure de faire du piano. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fabrique Il a pas la compétence chant, les gars. Demain, c'est le, le cours, enfin, le, l'évaluation le, de chant. Pamela, t'es une crécelle. J'en peux plus. Bon, Giorgio, voyons. Ça part très, très mal. C'est vous qui l'avez sauvé, les gars. C'est pas moi. C'est pas moi. Hein. <laughs> non, mais il va peut-être s'améliorer. Il va peut-être s'améliorer. Euh, Prisca, elle le regarde en mode là <laughs> Je vous rappelle qu'ils sont en couple, hein. Elle a peur qu'il soit renominé avec la voix qu'il a, hein. bon, là, il y a Anita qui est en train de leur donner des conseils pour demain pour l'évaluation je pense. Ouais elle leur donne plein de, de conseils là ça se voit. qu'elle en a marre de Giorgio. <laughs> oh Oh non mais qu'est-ce qui s'est passé vous avez vu ce qui s'est passé et pourquoi décadence ça m'appelle. Non mais attendez quoi Il a repoussé Priska. Je suis choquée. Comment ça se fait ça Mais leur couple, il est trop bizarre, je vous jure. Vous avez vu comment il l'a poussé Et maintenant ils se font un câlin. Là, je comprendrai jamais ce qui se passe. Hein. Un couple tumultueux. Hein. Ok, bon, ce cours de chant est maintenant terminé, les gars. Donc ils vont pouvoir retourner à leur occupation. Peut-être qu'il y en a qui vont réviser, hein, je sais pas. En tout cas, Terry et Cory, ils n'ont pas l'air de vouloir arrêter de réviser. Ok, bon, Priska et Melvin, ils sont encore dans la salle de chant. Les autres, ils commencent un petit peu à aller faire à manger, etc. Cory et Terry sont toujours ensemble. Par contre, c'est Trop adorable. Oh non. Oh non. Il se fait pipi dessus. Oh non, Melvin. Oh non. Non, mais tu nettoies par contre. Hein. Allez, essuyez. <laughs> bon, Terry, le dîner. Ce serait bien. S'il te plaît, fais une salade. Ce serait cool. Comme ça, tout le monde vient manger. Mais qu'est-ce qu'il fait, Giorgio Il s'est endormi sur euh, le canapé de dehors. Non mais Giorgio, vraiment un phénomène. Hein. <laughs> bon, Cory qui aide Terry à faire à manger. Ok, je crois que c'est bon. Elle a fini. C'est trop mignon le fait qu'ils préparent ensemble. J'adore. Allez, venez tous manger les cocos. Non, mais c'est une blague. Il y a toujours un incendie. C'est un truc de fou. Ça me saoule les incendies. Je vous jure, ça m'énerve. Ça m'énerve. Non mais là, c'est en train de tout cramer. Ça me saoule. Ça m'énerve. Mais attends, le pompier il est rentré et il est ressorti. C'est une vaste blague, j'espère. Mais frérot, éteins le feu. Non mais là, il se passe un truc de fou. Hein. Qui c'est qui a foutu le feu Melvin ça a tous les coups en faisant son gâteau au chocolat Go tout remplacer si seulement c'était aussi facile Dans la vraie vie <laughs> Bon en même temps c'est parce qu'il n'y a pas de hot en haut Je pense qu'on va mettre une hotte parce que franchement euh, pff, On souffle on souffle vraiment. Hein. J'ai l'impression que cet épisode, il va être décousu. Hein. Bon, on a Xav qui prend un café. Est-ce que tu crois que c'est une solution pour euh, lutter contre la fatigue Va dormir, je te jure, t'as un lit, ça va être beaucoup mieux. <laughs> Priska qui aussi est fatiguée, mais elle préfère prendre un café, tout va bien. Mais non, mais arrêtez de prendre des cafés quand vous êtes fatigué, mon dieu. Allez au lit, je sais pas, moi. Comme pas et Terry, regardez-les. Non, mais demain, pour les évaluations, ils vont être dans un mal, mais je vous explique même pas. Il est 4h du bar et ils vont dormir maintenant. Et il a envie de faire pipi, celui-là. Non, mais oh là 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 Faut vraiment qu'il dorme. Allez dormir. Elle est Qu'est-ce qu'elle fait Ah là là, aux toilettes, ok, ça va, ça va. Je sens que ça va être une catastrophe, les évales. Une catastrophe. Je pense que je remonterai leurs besoins pour qu'ils soient tous au même pied d'égalité. Parce que regardez, non mais oh là là, qu'est-ce que tu fais toi Ah, il a envie de pisser. Mais il va pisser si tu veux pisser, ne reste pas planté là Non mais il me fatigue, il me fatigue. Je suis éprouvée par mes Sims aujourd'hui, je suis vraiment éprouvée genre. Non mais il s'est fait pipi dessus alors qu'il était juste à côté des toilettes. C'est une, bl... <laughs> une blague. C'est une blague. C'est pour me tuer cet épisode ou quoi là C'est pour me tuer hein Non mais les gars, je pense que je dois remonter tous euh, leurs besoins parce que sinon ça va être une cata. Euh, ils vont pas pouvoir faire les évales, ils vont s'évanouir. Enfin, ça va être n'importe quoi. Ok? Donc, je suis désolée, mais une petite triche s'impose là. Donc là, il est déjà 7h du mat, ça commence dans une heure, donc il faut vraiment, vraiment qu'ils qu aillent tous bien, quoi. Sinon, c'est pas possible. Ok, nous, on va un petit peu préparer la salle des évaluations. On va mettre le micro à ce niveau-là. Je vais juste un petit peu, du coup, le, le tourner. Voilà, face au jury. Parfait. Comme ça, ouais, là, c'est bien. Et on en verra au fur et à mesure les élèves. Hein. Bon, lui il se donne des paroles de confiance, d'encouragement. C'est parfait, t'en a besoin. Tout le monde va se réveiller, par contre, parce que là, c'est bientôt, bientôt. On va commencer par Melvin. On finira par Prisca. Ok, les profs commencent à arriver. Ok, ils commencent tous à se placer sur leur petite chaise. Et écoutez, ça va commencer. Hein. On a déjà une heure de retard. Quand je vous dis que cet épisode il est décousu, même. <laughs> ok, c'est parti pour Melvin. Let's go. On va écouter ce qu'il va faire. Hein. C'est parti. <tousse> <tousse> c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. <tousse> oh là là. Ah non, mais là, on dirait euh, un cochon qu'on égorge. C'est pas possible. Hein. Ok, ok, ok. On a vu. On a vu, Melvin. Merci, merci. Ok, à Xav maintenant. Ah, il est inspiré en plus. Ça peut donner quelque chose de bien. C'est parti. C'est déjà mieux. C'est mieux. C'est mieux. Bon, euh, les profs, ils ont pas l'air convaincus. En rigolo, il aime pas du tout. Des cadences, bof. Anita Gada, il aime bien. Regardez. Ok, merci, Xav. Ok, à Pamela maintenant. S'entraîner à chanter. On va voir ça. Ouais. C'est mieux déjà que la première fois qu'on l'a écouté. Ok. Ok, merci Pam, merci Pam. Ouais, c'est un balai, c'est un balai. Hein. Ok, j'appelle Cory maintenant. Ah, il a l'air un peu mal à l'aise, par contre, ça va être compliqué. Hein. Ouh là, là. Oula, stop, stop, Cory, stop, stop. Horrible, horrible, Cory, qu'est-ce qui lui est arrivé Pourtant, ils ont l'air de kiffer, regardez. Ok, Giorgio maintenant, qui n'a euh, presque pas de compétences chant, il est tendu, qu'est-ce que ça va donner hein Il est en pyjama en plus, mais let's go. Giorgio, c'est à toi. Dodo C'est pas si mal que ça. C'est peut-être même mieux que Cory et Melvin ça va. La pire En tout cas, il s'est amélioré, je trouve. Il s'est quand même amélioré. Je pense que Anitagada et Décadence, elles sont de cet avis. Mais en rigolo, il aime pas du tout. Il est vraiment désespéré. Après, il donne tout. Il est tendu, mais il a tout donné. Franchement, euh, il a tout donné. Ok, c'est à Terry maintenant. Elle est très en colère. Oh my god. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Terry. Ok. Elle veut pas chanter Terry chante. Oh. Terry Oh là là Oh là là Ok, euh, là je dois vous dire, c'est éliminatoire. Elle a arrêté de chanter, donc euh, Terry déjà, nominé les gars, je suis désolée. C'est une catastrophe Terry, qu'est-ce que tu nous as fait là J Je comprends pas ce qu'elle a fait, regardez, elle est super vénère Oh là là Est-ce que c'est à cause du départ de Vanda, j'en ai aucune idée, mais Terry est super énervée. Ok, à Prisca qui est super triste, d'ailleurs, non mais cette évaluation c'est n'importe quoi. Mais Prisca Mais Prisca, qu'est-ce que tu fais elle s'est arrêtée pour faire un pas de danse et rechanter, ok Ouh, ok. Ok, ok, Priska, merci, merci. Ouh là là, les profs ils sont un peu déçus, je pense, hein, de cette évaluation, ça a été vraiment une catastrophe pour tout le monde. Donc maintenant, je vais délibérer et regarder bah, qui va être nommé à côté de Terry, puisque Terry a arrêté de chanter, c'est éliminatoire. Je suis désolée, c'est éliminatoire. Donc c'est parti, on va un petit peu regarder les compétences. Melvin, il a fait une prestation affreuse, je suis désolée. Il a un en chant. Xav, il a bien chanté, je trouve, il s'est bien défendu. Pam aussi, elle a quand même fait des efforts, elle est niveau 2. Cori, je suis désolée, mais niveau 3, je l'ai pas ressenti. Genre franchement, on aurait dit... Euh, je sais pas, c'était une catastrophe. Giorgio, il s'est bien défendu aussi. Et Prisca, c'était quand même pas terrible. Il faut vraiment que je réfléchisse parce que... Euh, j'hésite, j'hésite. Cory, c'était vraiment affreux, les gars, niveau 3. Vous vous rendez compte, quand il sera au niveau 10, il fait la même chose, c'est une catastrophe. Aïe, 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 je sais pas quoi faire. Bon. Je délibère avec les profs et on se retrouve pour euh, bah, écouter euh, l'annonce des nominés. Ils sont tous désespérés après cette évaluation, mais là, ça va être pire puisqu'ils vont tous se réunir ici et je vais annoncer qui est nominé face à Terry. Ok les gars, donc les nominés sont. Voilà, Melvin est assez énervé, Terry aussi, c'est une cata. Donc ouais, les deux nommés pour cette semaine sont Terry et Melvin. Terry, elle a abandonné en cours de route à l'évaluation à cause de son énervement, et Melvin, je suis désolée, c'était une catastrophe. Cory, il est passé à ça d'être nominé, donc la semaine prochaine, s'il fait la même chose à l'évaluation de chant, ou de danse d'ailleurs, bah il est fortement possible qu'il soit nommé, mais il est vraiment passé à ça. Donc voilà, maintenant, de suite, en commentaire, votez pour celui que vous voulez sauver. Donc soit Terry, ou soit Melvin et faites bien attention euh, à l'orthographe des prénoms sinon vous avez vu ça peut pas être comptabilisé. Ok bon ils vont un petit peu tous retourner à leur vie hein, on va les laisser faire ils sont carrément tous énervés là c'est pas possible cette évaluation ça fait vraiment des dégâts euh, mentaux quoi mais qu'est-ce que tu fais Terry mais elle perd la boule hein. elle sort des trucs elle les prépare pas ouh là là, là 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 elle est énervée elle est très énervée bon Melvin pour se calmer je pense que ouais il va dans la salle de chant pour faire un petit peu de guitare et s'entraîner je pense que ça l'a vraiment miné cette histoire enfin, mais là aussi elle est très en colère oh là là George il est cool. Il a pas été nominé, du coup il est assez content. Et Terry elle se venge sur cette pauvre tomate, sur ce poisson. Oula, elle s'est coupée d'ailleurs. Oups oups. Ah, Xav il a l'air tendu. Xav il est pas bien suite, euh, suite à l'annonce des nommés. C'est vrai qu'il est assez proche de Melvin, Xav, donc euh, il a l'air assez désespéré quoi. Bon, Terry elle a préparé des tacos pour tout le monde, ça c'est quand même très gentil. On va pouvoir manger tous ensemble. Voilà, c'est quand même chouette, ils se retrouvent dans la cuisine tous ensemble, etc. Les trois là, <laughs> ils sont pas du tout confort pour manger là, c'est n'importe quoi. On a un petit clan ici avec Cory, ils savent Giorgio et Terry et un autre petit clan ici. Ah, bah, Cory rejoint ce clan là. <laughs> ça a vraiment été une dure journée pour tous. Hein. Je pense qu'ils ont hâte d'aller se coucher. Je pense que j'aurais dû prendre une femme de ménage aussi. Ça aurait été plutôt cool. Parce que c'est vrai que tout nettoyer à chaque fois, c'est un peu chiant. Euh, domestique régulier. Voilà, comme ça au moins, euh, ça nettoiera tout. Alors on a Terry qui discute avec Cory. Peut-être de l'évaluation, du fait qu'elle soit nommée. De toute façon, demain, c'est cours de danse. Donc, on va voir s'ils si se sont améliorés. Je rappelle que la plus forte dans ce domaine, c'est Terry. Elle a le niveau maximum, à savoir le niveau 5. Ah, où ah il va faire de la guitare ok. Ouais, il s'isole un petit peu lui. Il est un petit peu énervé. Oh il chante en même temps. Mais c'est adorable. Oh. Il essaye en tout cas. C'est plutôt chou. Moi j'aime bien Xav. Il fait une petite musique triste pour Melvin. <laughs> ah là, on a Terry aussi qui s'entraîne. Melvin qui écoute de la musique. Il y a un truc cassé ici. Ah oui, c'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Ah, Prisca et Giorgio. Oh, bah voilà le gros bisou. Elle doit être contente qu'ils soit soient pas nommés cette fois et ils vont pouvoir rester ensemble. Oh. Oh là, oh là! Non, mais je comprends rien à ce couple. Ils s'embrassent, ils se kiffent trop, et après, de suite, ils, ils se rejettent. Je comprends. Je sais pas, je sais pas. Après, ils sont embarrassés tous les deux. C'est n'importe quoi. Rencontre embarrassante. Bah non, pas du tout. Ça allait très bien. Je pense qu'ils sont un petit peu timides. Ils savent pas trop euh, comment s'apprivoiser, genre. Bon, la plupart, ils vont monter se coucher. Oups, c'est cassé, ça. Hop là. Ouais, il y en a déjà qui commencent à aller au lit. Ok, Giorgio, comme d'habitude, c'est le dernier à se coucher, et c'est parti. Ils sont tous au dodo. Et demain, bah écoutez, c'est cours de danse. Ok, Melvin, c'est le premier à s'être levé, il va se faire son petit déj. Ouh là 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 là, il est encore très énervé, très tendu. Hein. Il passe à côté de ses rêves, mais c'est bon, peut-être que les abonnés, ils vont te sauver, t'inquiète pas. Après, c'est vrai que face à Terry, euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui adorent Terry, donc ça va être assez compliqué pour lui de, bah, de faire le change, quoi. D'ailleurs, la voilà, dans la cuisine, hein, à prendre son petit déj aussi. Vous voyez, elle est nommée face à lui, mais quand même, elle, elle, elle papote avec, enfin, elle est toujours très bienveillante, Terry, du coup. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien dans les commentaires, à chaque fois, je vois. Elle est toujours de bonne humeur, alors que lui, il est vénère <laughs> la Prisca, elle est très en colère. Non, mais ton est très en colère, en fait. Comment ça, au feu Non, arrêtez. Qui a mis le feu Je comprends pas, le feu. Quel feu Non, mais c'est une blague. Comment ça, il y a un incendie Non, mais c'est pas possible. Je vais, je vais clamser. J'ai mis la hotte. Pourquoi il y a un incendie, même Voilà, voilà. Tout est cramé. Tout est à... J'en peux plus des incendies. Non, il y a pas le trait maudit. Je regardais parce que c'est pas possible. À chaque fois que j'allume le truc, il y a un incendie, quoi. Bon, on va laisser la femme de ménage venir nettoyer tout ça parce que c'est une catastrophe. Je pense qu'ils vont prendre que des repas rapides à partir d'aujourd'hui parce que Franchement, ça me tend. Vraiment, ça me tend. D'accord Je comprends pas. La hotte, elle est bien mise et tout. D'ailleurs, je l'ai remplacée. Elle est toute cramoisie. Ou alors, je prends le plus cher. Hein. Il va pas s'enflammer, celui-là, le plus cher. C'est ça, le plus cher Attends, tu vas voir. Petit Allez, normalement, ça devrait aller avec celui-là. Bon, du coup, petit cours de danse qui va commencer. On va invoquer euh, Madame Décadence, la prof de danse. Ok, tout le monde est là. C'est parti pour le petit cours. Commencez réunion et let's go. Ok. Oh, c'est trop bien. Ils dansent tous. J'adore. Bon, de toute façon, Terry, elle a plus rien à apprendre. Elle sait tout par cœur, elle est trop trop forte. Ah, on a Xav qui déteste la danse par contre, vous vous souvenez Oh, Melvin niveau 5 dans la danse Pardon et D'accord, je savais pas du tout. On va regarder les, comp les compétences d'ailleurs, enfin les niveaux. Ok, Melvin, niveau 5. Xav, niveau 3. Pam aussi. Cory aussi, décidément. Giorgio aussi. Et Priska aussi, ok. Oula, mais qu'est-ce qu'il nous fait Melvin là, Ouh là là, il enflamme le dancefloor, hein. C'est trop cool Ok, on a Madame Décadence qui leur donne des conseils, je pense. Pamela commence à bien se débrouiller je pense, hein. Regardez, c'est plutôt pas mal. Bon, pas aussi bien que Melvin et Terry du coup. Oh, Priska niveau 4 bon, Xav, il aime vraiment pas faire ça. Hein. C'est pas Possible. Ok, à 13h, le cours s'arrête. Giorgio, niveau 4 de la compétence danse aussi. Oh, Terry a une bonne réputation. Ok, c'est-à-dire qu'elle est gentille avec tout le monde, etc. Ok, on met fin à la réunion, les cocos. C'est terminé. Tout le monde se change. <laughs> C'est parti, je débloque la porte. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez. Madame Décadence, bah merci d'être venue. Hein. J'adore cette prof, elle est trop mignonne. Ah, il y a la femme de ménage qui est passée. Normalement, ça devrait être nickel. Ouais, trop bien. C'est très, très propre. C'est trop cool. Ah, on a Prisca là qui s'entraîne encore un petit peu à la danse. Elle a ce petit cours. <laughs> bon, on a Pam qui se fait une petite beauté. Terry aussi. <laughs> mais il laisse la domestique aspirer. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais Devant la domestique, t'as pas honte, la pauvre. Pauvre madame, elle me fait de la peine. Euh, Désolée madame, excusez-la, elle est un peu folle. Ah, hein. oh, il y a Xav qui essaye un petit peu de savoir ce que Pam, euh, elle a. Parce qu'elle est tout le temps énervée en ce moment aussi. Xav, c'est l'heure de se raser d'ailleurs. C'est vraiment l'heure de se raser. Ah, euh, Pam, elle, elle a ignoré complètement Xav. Ok. Pauvre Xav, je suis un peu... Le pauvre Ça me fait trop de la peine Bon, Xavier va euh, aller se raser, hein. Ah, il est trop mal à l'aise Pourquoi t'es mal à l'aise Passe un mauvais moment, bah oui C'est à cause de, de cette de cette bécasse, là. Je sais pas pourquoi elle l'a un petit peu ignoré comme ça, le pauvre. Allez, c'est l'heure de se raser la beubare et la moustachio Voilà Parfait. Oh, le rasoir, et il fait la taille de sa teté. Hein. <laughs> oh, qu'est-ce qu'ils font tous ici, dans la salle de danse Ils papotent, ils papotent. Ah, Giorgio Prisca, il se passe quelque chose. Mais ouais, en même temps, il est toujours énervé, c'est compliqué. Hein. Ouais, je pense qu'il se passe rien. Il se regarde. Oh, bah non, mais. Et l'autre qui chante derrière Oh, il lui offre une rose. Ah, ça, c'est mignon, Giorgio, c'est mignon. Ah, voilà. Voilà, ça va mieux. Cory, il a compris qu'il fallait qu'il s'entraîne, je pense, parce que vraiment, une catastrophe, le chant. Oula Ouh là là, c'est euh, le feu ici, Ah hein. oh, il est trop content Ah ben non il s'en va. Je ne les comprendrai jamais ces deux-là, je ne les comprendrai jamais. Regardez il est triste maintenant. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Oh on a Pam qui s'entraîne à la danse juste ici, ok. Et on a Terry qui vient regarder, qui vient un petit peu juger. Ah ben Pam s'en va. Mais qu'est-ce qu'elle a Pam À chaque fois qu'elle se retrouve en présence d'autres euh, candidats... Elle s'en va. D'accord. Elle ignore tout le monde. Trop bizarre. Et là, elle décide d'aller regarder Cory. Ok. Tout le monde regarde Cory <laughs> Et tout le monde est énervé, genre, en le regardant. Regardez, regardez Tout le monde est énervé. C'est parce qu'ils chantent mal Oh Mais qu'est-ce qu'ils ont contre Cory Tout le monde est énervé. Mon pauvre Cory Continue, continue, c'est pas mal. Non, oh, mais le pauvre, il se fait harceler, là, regardez tout ça. Ah non, il y a Melvin qui danse, ça va. Par contre, les trois-là, ils aiment pas du tout Cory, j'ai l'impression. C'est horrible. Pam, Priska et Xav, on dirait qu'ils peuvent pas se le voir. Ah ben, bah, Melvin aussi, il a rejoint la, la bande. <laughs> Ok, c'est hyper triste. What? Pam, elle a atteint le niveau 7 de la compétence jeu d'acteur? Mais pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est trop forte. Je sais pas si on ajoute dans les évaluations le jeu d'acteur, vous savez. Si en gros, dans évaluation, il y aurait danse, chant et comédie, par exemple. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Ça peut être assez intéressant de voir les Sims jouer des pièces comme ça. Regardez, c'est pas mal. Je crois qu'il y en a en plus, quand ils ratent, ils se mettent le micro sur la tête et tout, c'est assez rigolo. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire de rajouter la comédie dans les évaluations. Mais là, pour le moment, si c'est le cas, euh, Pam, elle est dégomme tout Quoique Melvin il est niveau 3. Xav aussi. Bon, elle, elle est niveau 7, Pam. Cory, il a pas de compétence de jeu d'acteur. Giorgio, il est niveau 3. Terry aussi. Et Prisca niveau 1. Ah ouais, Pam, elle est loin devant, quoi. Très très loin devant. Ok, Pam, elle fait à manger. Les autres, ils sont où Ils sont encore dans la, dans la salle de danse. Ok. Cory, il continue à chanter. Il faut croire en ses rêves. Hein. Si ça se trouve, c'est lui qui va gagner, je ne sais pas. <laughs> ok, le plat est préparé par Pam. Ils vont venir manger tous, je pense. Mais où est-ce qu'elle va, Pam Pourquoi elle va manger là-bas Elle est bête ou quoi Ah, elle veut regarder euh, Terry jouer à la guitare. Niveau 3 de la compétence guitare. Mais Terry, mais t'es trop forte Elle est multifonction, je vous jure. Ok, bon, bah ils vont tous manger. Et ensuite, le lendemain, ce sera jeudi. Et le jeudi, c'est euh, cours de sport. Oh Xav, il débarrasse tout. Il est trop adorable. Ok, tous au Ok, tout le monde se réveille petit à petit, ils vont prendre leur petit déj. On a Pam, Cory et Priscap qui prennent leur petit déj ensemble. Bon, bah Pam, elle s'en va comme d'habitude. Je sais pas, je sais pas ce qu'elle a, hein, mais euh... elle ignore tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a, Melvin, à râler encore Il est trop bizarre en ce moment. Après, il est nominé, mais arrête de râler, euh, frérot, là. Regardez, il est toujours en colère. Hein. Ça va pas t'aider, ça, auprès des abonnés, ça va pas t'aider, hein. C'est quoi qu'il se fait à manger, Xav? Ça a l'air trop bon, regardez. Un petit euh, truc au chocolat, là. Mmh. Je mangerais bien ça, moi aussi, là. <laughs> oh, Terry qui parle à Cory dans la... dans la réserve. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a peur de ne pas réaliser ses rêves. Oh là là, la pauvre. Je pense que ça lui a foutu vraiment un coup au moral d'être nominée. Heureusement que Cory, il est là pour elle. Giorgio, il fait ses petits pas de danse du matin. Ne <laughs> dépense pas trop parce qu'après, il y a le cours de sport. Hein. Bon, et Priska, on va dire qu'elle révise un petit peu ses chansons à apprendre. Qui c'est qui pleure? C'est Terry. Mais Terry, qu'est-ce que t'as? Oh là là, elle est Vraiment triste, vraiment triste. Échec d'une histoire d'amour avec un Sims froid, pardon Comment ça échec d'une histoire d'amour avec un Sims froid C'est avec qui Je comprends pas. Avec toi Non, c'est pas ça. What Alors là, si vous avez vu quelque chose, les gars, dites-le-moi. Mais moi, j'ai rien vu, hein. Elle a voulu draguer qui Je comprends pas. Trop étrange, trop étrange. Ok, on va faire venir euh, bah, le prof de sport, hein, parce qu'on va faire le petit cours de sport, le petit jogging euh, hebdomadaire. Allez, c'est parti pour inviter jogging le prof de euh, sport. N'empêche ce jeu de mots, je m'en remets. Mettrai jamais jogging. Pff. Ok, il est là le boug. C'est parti pour commencer le cours. Bon, je vais tous aller les faire courir comme d'habitude, hein, je pense. Allez, c'est parti les cocos. Ah, Xav, t'es en retard, dépêche-toi. Hein. Allez, let's go, let's go. Ah, il y a la femme de ménage là-bas qui vient nettoyer. Parfait, parce que là, elle a vraiment besoin. Ok, on a Prisca avec Xav tout derrière. Plus devant, on a Melvin. Pam aussi qui est là. Cory et Terry, mais toujours ensemble, ces deux-là. Ils sont toujours ensemble. Même en sport, ils sont toujours ensemble. Et Giorgio, loin devant les autres et le prof bah il a déjà fait son tour complet hein. <laughs> je pense que ça leur fait un petit peu du bien aussi le sport hein. ça permet de se vider la têté, ok le premier à avoir fini bah c'est euh, Xav du coup il a terminé là on a Priska et Pam aussi qui ont fini avec Terry voilà tout le monde est rentré au fur et à mesure par contre là il faut aller se doucher les gars c'est pas possible hein. ok bah nickel pour ce petit cours de sport ok donc retour du cours du sport bon ils vont tous un petit peu se laver j'imagine est-ce qu'il y en a qui révisent quoi que ce soit là je vois pas Personne ici. Ah, il y a Terry là-bas, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, hein, je sais pas ce qu'elle faisait. Peut-être de la guitare, je sais pas. Et dans la salle de danse, on a Pam juste là. Ah, qui va s'essayer à la guitare. Ah ouais, donc elle, elle commence à peine, je crois, là. <laughs> Giorgio, très en colère. Non, mais qu'est-ce qu'il a encore Qu'est-ce qu'il a Je suis tout le temps en colère, celui-là. Bon, il y en a qui se lavent, comme je vous ai dit. Terry, ouah, si tu refous le feu, c'est moi qui te fous le feu, d'accord Je te fume si tu mets le feu. Nominé, pas nominé, je m'en fous. Euh, tu, vas... tu vas souffrir. Ok, c'est bon, c'est bon. Oh Giorgio, il lui a piqué le plat Non, mais quel. Giorgio, il a piqué le plat de Terry. Non, mais j'y crois pas. Il est vraiment sans gêne, celui-là. Il me fait trop rire. Et du coup, elle se retrouve à manger quoi, la pauvre Un truc au micro-ondes C'est quoi ça Des hot dogs sans saucisse Du pain, quoi. <laughs> mais la pauvre, c'est horrible. Elle sait fait un bon sandwich et tout, et c'est lui qui l'a bouffé. <laughs> oh non. Il n'y a vraiment aucun respect dans les Sims. Hein. Vraiment. Ah, on a Pam qui est revenue d'ici. Mais Ça a l'air vraiment dégoûtant ce qu'elle mange. Elle me fait trop de peine. Je pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils font, eux Qu'est-ce qu'ils font encore Je sais pas. Ils se regardent souvent dans le blanc des yeux comme ça. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Je... Je comprends pas trop des fois. Ah, Melvin encore énervé. Eh hey, mais c'est la semaine de... des tensions, hein. c'est pas possible. Il hein. y a plus rien qui va dans ce château. Hein. Giorgio il allait danser un petit peu pour se décompresser je pense. Ah ouais, changement d'humeur là de suite. <laughs> Prisca, la pauvre elle me fait de la peine, on dirait elle veut trop communiquer avec lui, se rapprocher de lui mais... Il a pas très envie j'ai l'impression. Xav, bah il est toujours un petit peu tout seul, ça ça me fait de la peine aussi. Mon petit Xav, regardez-le, il est tout le temps tout seul. Personne ne lui parle. Bon après il s'en porte pas plus mal, j'ai l'impression, écoutez. Melvin, calme-toi, mais il fait que de crier partout. Où est-ce qu'il va, Xav? Je comprends pas trop ce qu'il fait là. Qu'est-ce que tu fabriques Je vais avancer un peu. Oh non Il allait se mettre dehors pour regarder le nuage. Ça, c'est pas trop chou, par contre. Ouh là là Prisca, ne fous pas le first plaît. Non, mais les gars, il y a volonté de nuire là. Je suis désolée. Je sais pas quoi faire. Mais dites-moi, hein, dites-moi peut-être y, hein, y a un truc. Qui, qui fonctionne pas dans ma maison, je sais pas. À partir du moment où j'ai euh, une hotte et tout, je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas. C'est peut-être à cause euh, du néon, je sais pas. Le néon qui a juste à côté. Genre je vous montre avec mes doigts. Genre vous allez voir, sais, n'importe quoi. Genre ça là, peut-être que ça, peut que ça, ça fausse tout. Hein. Écoutez, je vais le mettre là, je vais l'enlever, on verra bien. Parce que là, je comprends vraiment pas euh, ce qui fait ce qui fait l'incendie. Je comprends pas. En avoir un tous les jours, tu vois, au bout d'un moment, c'est un petit peu, euh, ah, ça m'énerve, tu vois. En plus j'ai pris le truc le plus cher, je vois pas euh, en quoi ça ça, ça c'est quoi ça? Mais... <laughs> mais je suis sûre que dans les commentaires vous allez me dire ce qui va pas, hein, mais moi je vois vraiment pas ce qui va pas, genre dans cette cuisine. Ok, c'est l'heure d'aller dormir. Demain il y a cours de théâtre et ce sera déjà la fin de la semaine. Je vous rappelle qu'il faut voter en commentaire soit pour sauver euh, du coup Melvin, soit pour sauver Terry. Ok, c'est parti pour le petit cours de théâtre avec notre prof préféré Henri Golo. <laughs> ah, il est là, ma star, Henri Golo. Le voici, le voilà. Oh là là, j'adore, j'adore Henri Golo. Allez hop, ajoutez à la famille et c'est parti pour un petit cours de théâtre dans la. Salle de théâtre, évidemment, pas dans la salle de danse, Sarah. Ok, c'est parti pour le cours de théâtre. Bon, c'est Terry qui se lasse en première, visiblement. Oula, oula. Oh, elle se débrouille pas mal. Ça va, c'est plutôt cool. Oh, il y a une embrouille entre Priska et Melvin à ce niveau-là, j'ai vu. Ok. Bon, Terry et Cory, ils s'entraînent ensemble. Par contre, ça fait beaucoup de brouhaha, les cours de théâtre, je vous cache pas. On s'entend plus parler, hein. Pam, elle est pas très décidée à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle a Elle veut insulter Cory. Mais Pam Mais Pam Pourquoi elle veut insulter Cory Ces deux-là, ils s'entendent vraiment pas. J'ai l'impression. Hein. Ah bah ça y est, elle y va. Oh mais elle est trop méchante Pourquoi elle lui fait ça Je comprends pas. Il lui a rien fait. Xav, il est toujours à l'écart du groupe. Il s'en fout un petit peu. J'ai l'impression du théâtre. Regardez, il en fout pas une. <laughs> Je sais pas ce qu'il a. Il est toujours à l'écart du groupe. Regardez la différence, quoi. C'est trop bizarre. Par contre, Cory et Pam là, il y, y a une tension. Il y a quelque chose. Hein. C'est la semaine des, des embrouilles hein, dans, dans le château. Regardez Corey. Il est tout énervé maintenant. Oh là là. Ok, la femme de ménage là-bas, elle a terminé. Parfait. Sache pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Mais qu'est-ce qu'il a, Cory Il veut crier des mots interdits à Melvin. Mais what Là, là, il y, y a des clans qui se forment. Hein. Ah, euh, on a Melvin qui n'aime pas le jeu d'acteur. Donc, on va dire oui. Il aime pas faire ça, tout simplement. Ok, bon, voilà pour ce cours de théâtre qui était un petit peu incomplet. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tous euh, vraiment étudié. Mais bon, ça a déjà été euh, un petit cours qui a duré quand même pas mal de temps. Donc, ils ont eu le temps, hein, pour eux. Bon voilà, je leur ai commandé une pizza comme ça au moins ils vont tous pouvoir euh, en manger. C'est un petit peu sympa, voilà pour le vendredi. Donc écoutez, voilà pour cet épisode. On va se laisser sur les candidats qui mangent une pizza et qui sont encore euh, sous tension. Ça a été super bizarre cette semaine là. On voit qu'il y a des débuts de clans, donc c'est assez spécial. N'oubliez pas de voter pour celui que vous voulez sauver, donc soit Melvin soit Terry. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour voir euh, bah, tout ce qui va se passer par la suite. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour suivre toutes mes autres aventures je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine ciao